Thank you.
e seun e ku alejo wa olorin awon egbe olorin e seun e ku alejo erobodo e seun Bible comme dans le Coran quand le prophète Moïse partait de l'Égypte, il n'a pas oublié de casser le tombeau de son ancêtre pour l'amener en pays hébreu. C'est ça qu'on appelle le rapatriement d'âme, et que nos parents ici en Yoruba appellent Iraku, Itu Iraku. Il se trouve que nous, Africains, depuis 600 ans, on n'a pas pensé ramener nos ancêtres à la maison. C'est pourquoi tout ce que nous entreprenons en Afrique, ça ne marche pas. Alors nous, à Africa Culture, depuis 82, ça fait environ 37 ans, on a le souci de la renaissance africaine. Mais chaque fois qu'on entreprend, ça bloque. Et on a voulu questionner Dieu pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voulons que ce peuple-là grandisse. Et c'est comme ça que Dieu lui-même nous rappelle que le peuple que nous voulons faire grandir, là, est-ce qu'on sait ce qu'il a commis comme faute? Mais en se mettant à genoux pour demander non, il nous rappelle que ce sont nos ancêtres à nous, le peuple pharaonique, qui avait réduit les autres peuples à l'esclavage et qui tue par épée, périt par épée. Et que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une pénitence. Il a fallu qu'on se mette à genoux. Et c'est ce mea culpa que nous avons fait en 2004 qui a pour résultat l'élection de notre frère, le noir qui est devenu président de la plus grande puissance mondiale. Mais en remerciant Dieu, parce qu'avant Obama, Martin Luther King a essayé, il s'est fait assassiner. Après lui, en 1990, j'étais à Washington aux côtés de Jesse Jackson quand il faisait la campagne pour être président des États-Unis. Il n'a pas pu émerger. Mais rapidement, Obama n'a pas fait beaucoup d'efforts. On ne le connaissait même pas autant. Il est devenu président et on a dit Dieu merci. Et Dieu dit ce n'est pas fini. Il faut honorer aussi nos ancêtres. Il faut les ramener à la maison. Mais la maison pour nous c'est difficile. C'était facile pour Moïse parce que c'est un individu qui a quitté le pays hébreu. Donc on sait là où il a quitté et on sait là où on l'a enterré. Il faut le prendre et l'amener à la maison. Mais pour nous c'est difficile. Des milliers de personnes sont parties de l'actuel Bénin. Des milliers de personnes sont parties de l'actuel Nigeria. Des milliers de personnes sont parties du Sénégal, de tous les pays. Alors, on va les amener où? Et c'est comme ça que l'idée est venue de prendre un peu de terre au Bénin, un peu de terre au Nigeria et de constituer la cité siège de l'humanisme Igbaliaye et de les ramener. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire ici. Mais au moment où on le faisait, on ne savait pas qu'il y avait un contenu très spirituel dedans. Parce qu'on voulait d'abord l'implanter à Madi Kali. Donc, on voulait prendre un peu du Niger, un peu du Nigeria, un peu du Bénin. Mais, chemin faisant, on a constaté qu'il y a des difficultés et nous sommes venus au sud à Kobe. Et de Kobe, il y a eu des difficultés aussi. On est venu à Tanchukwa. Et d'Atanchukwa, il nous dit, mais pourquoi on se promène, il faut venir ici. Et c'est comme ça qu'on a fait la cérémonie en 2006, ici, là, dans Akpataï. Et c'est quelques jours après qu'on nous dit, n'allez pas dans la forêt. On dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils disent, à Gidon. Et arrivé là-bas, on trouve que c'est les entrées souterraines. Et l'histoire nous montre que c'est Noé, l'ancêtre de l'humanité, qui est resté ici. Alors, en réalité, quand vous voulez ramener quelqu'un à la maison, c'est chez lui qu'on le ramène. Donc, Dieu a voulu qu'on ramène ses ancêtres-là, là où un foyer culturel qui est commun à nous tous. Donc, c'est comme ça que Igbaliaye a deux sens. C'est le mémorial de retour des ancêtres africains déportés réduits à l'esclavage. C'est aussi le village de l'ancêtre de l'humanité, Noé. Donc, soyez bienvenus ici. West Africa, ni bougou à Baye Tibéreo. On y nous en des grands villages. Ni on nous aussi, mon kéké, si mi. Il y a un peu de lunch, oui, là, Bouddha. Baba wa babangida lo so wa lori oye ohun pa pa katerina solo no je special adviser fun baba obasan chale ni la se awa o mo pe lori underground village to nko we si ori e la se kini yi o ti lot lo bi te ko yi igba ta de be la ni kini wa ni won ni awon eyan ati jo ibe ni won gbe ibe ni won mu ni keke ile mi wa so fun wa pe baba wa fe ra oku nje bi idile e la ma nra lo nje olohun ni ti wa titi la fi de ko je
ibi to je to papo fun gugu agbaye la fe ra oku yen wa to je itumu meji to ni memo ta to da gugu aye ta pe ni noa to je baba gugu aye to se eni ni May 25 ti awon yaziko e awon ku amen kuma awon du boys awon gugu baba na yen ni won ti bi ojo esin o fi odun mewa ne pe ka fi ro isi pa igbesi aye awon omo iya wa ti won ko leru lo awon to wa ni America to wa ni bi la fe ki awon alawo dudu bawo la fe ki won gbe nitori ti a ba se kini ti odun mewa yen ba koja awon agbaye ma ri wa pe je da fun odun mewa e sa bere nkan ibi da ma ro isi pa bawo la fe ki eh igbesi aye wa ko je ti be na re ti won bi baba won won bi ti won bi buya won awon to won bu won pe won loju eri won ni kan je iranto fun je nkan yen o ye ko dun gbogbo wa condition awon eyan wa ti aye wa o ti da ju bayi lo lo je nkan ti am program am abre lati ku tonu titi lo abekuta eni to le de si abekuta eni to le de si ku tonu beaucoup d'autres panafricanistes ils ont consacré le 25 mai pour qu'on pense à notre africanité, pour qu'on réfléchisse à ce que nous sommes et qu'on réfléchisse à ce que nous voulons être. Eh bien, le 25 mai 2019 sera consacré à deux réflexions. La première, les Nations Unies ont consacré 10 ans pour les personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire les descendants des esclaves que nous sommes en train d'honorer ici. Alors, les 10 ans, nous voulons donc que cela ne se passe pas sans activité. C'est ainsi qu'à partir de l'année prochaine, 2020, nous allons commencer par inviter toute l'humanité pour réfléchir sur le programme que nous avons pour la renaissance africaine engendrant la renaissance de l'humanité. C'est-à-dire que en 2020, ce sera l'an 5. En 2021, ce sera l'an 6. Ce serait dans un autre pays du monde. En 2022, ce sera l'an 7. Et nous allons l'organiser dans un autre pays du monde. En 2023, ce sera l'an 8. Nous allons l'organiser dans un autre pays du monde. En 2024, ce sera l'an 9. Nous allons l'organiser dans un autre pays du monde et en 2025, ce sera l'an 10 et la dernière année, on va l'organiser dans un autre pays du monde. Une histoire d'inviter l'humanité chaque année pour réfléchir sur les conditions de vie des Africains et de leurs descendants dans la diaspora. Voilà le programme que nous voulons lancer aujourd'hui. Le second programme, nous sommes Igbaliaye. Nous sommes une organisation, le gouvernement du Bénin a fait de nous une organisation internationale. Quand vous êtes une organisation internationale, il faut avoir des représentants dans les 192 pays du monde, ceux qu'on appelle des représentants des résidents. Eh bien, Africa Culture s'apprête maintenant pour avoir des représentants résidents dans tous les pays du monde. Et quand vous voulez envoyer un représentant résident dans un pays, quelqu'un pour vous représenter, il faut que la personne vous connaisse. Il faut que la personne sache ce que vous voulez, ce que vous faites. Et c'est pourquoi on lance aujourd'hui une formation des volontaires pour la représentation dans les différents pays. Et cette formation se fera de façon à permettre ceux qui sont aujourd'hui fonctionnaires pour qu'ils aient le temps. Ceux qui sont aujourd'hui travailleurs quelque part, pour qu'ils aient le temps de venir. C'est ainsi que ce serait les derniers week-ends de chaque mois. C'est-à-dire samedi, dimanche, le dernier de juin, le dernier de juillet, jusqu'en mai 2020. La formation aura lieu donc pendant un an. Et pendant un an, nous allons faire comprendre à nos frères tout ce que nous faisons ici. Nous allons leur faire comprendre comment, si on descend dans ce pays, on peut éradiquer sa pauvreté. Tout ce programme de la renaissance africaine qui comporte 4 volets. Le volet réconciliation universelle, le volet mon village aime Paris, le volet université de la renaissance africaine, le volet construction de la cité et ses,
ces 10 boulevards de la Renaissance africaine, tous nos représentants résidents doivent maîtriser cela. Et comme ça, après 2020, en mai 2020, on pourra leur donner le quitus pour être représentant des résidents. Pendant ce temps, nous négocions avec les ambassadeurs. Nous négocions avec les pays pour voir les pays qui peuvent nous permettre de venir ouvrir notre bureau chez eux. De sorte que quand vous formez des gens et que vous n'avez pas où les utiliser, vous allez encore former des diplômés sans emploi. Alors que ce n'est pas notre souci. Au moment où nous les formons, il faut déjà qu'on puisse leur trouver des postes. Voilà donc les deux événements que nous voulons lancer aujourd'hui. Et nous avons choisi le parrainage de notre frère, l'ambassadeur Kayode Ogutuasi, pour venir donc et bénir donc la rencontre, connaissant la grandeur du Nigeria, connaissant sa grandeur en agent, en superficie, en population. Nous pensons que le Nigeria a la poitrine pour pouvoir supporter tout ça. Et c'est pourquoi on a voulu qu'il vienne parrainer l'événement. Nous lui souhaitons la bienvenue en votre nom. Et Kabo. Le French. Qui ont translate au Rwanda. Marie-France, vous avez une préoccupation par rapport au... Happy to be here. Je suis très content et très heureux d'être ici avec vous. With my wife. Avec ma femme. With my friend from my village. Mon ami de mon village. And also with my officers that are also here. Et aussi avec les fonctionnaires de l'ambassade qui sont ici présents. Let me thank the KBC in particular. Je voudrais remercier particulièrement Sa Majesté. Because he has visited me in Cotonou. Parce qu'il m'a visité à Cotonou. And Mama. Et je salue aussi la maman. Yes, they visited me and they gave me a brief of this place and on this occasion. Ils m'ont visité à Cotonou et ils m'ont fait le résumé de cette zone à Cotonou avant que je ne vienne. And during our discussion, et au cours de nos discussions, I was because I was inspired with what I was told. J'ai été très inspiré par ce qui m'a été dit. And since then, I have been preparing my mind to be part of the celebration. Et dès lors, j'ai commencé par me préparer pour participer à cette célébration. That it's going to be very good for me to see where the beginning of life comes from. Et c'est très bon pour moi de connaître là où notre vie a commencé. And even though I have read in the Bible about Noah. Même si j'ai lu dans la Bible au sujet de Noé. But now I'm hearing about this one again too. Aujourd'hui, j'en entends parler encore. And I said, and I saw that the meaning. He says, "Omo Noah bi," that is the child that Noah gave birth to. Et je comprends la signification. La signification est le fils que Noé a donné. And in Yoruba, we call it Omoluabi. Et en Yoruba, nous l'appelons Omoluabi. And all of us knows the meaning of Omoluabi. Et tous, nous savons la signification de Omoluabi. And in Yoruba, when you say you are Omoluabi. Et en Yoruba, lorsque vous dites vous êtes Omoluabi. That means you have fulfilled all conditions. Ça veut dire que vous aviez rempli toutes les conditions. Everything is perfect in you. Ça veut dire que tout est parfait en your vous. Your character is everything. Votre caractère est tout. En your vous. Conduct is superb. Votre conduite est super. There is nothing to say to it. Il n'y a rien à dire au sujet. Everything is acceptable about you. Tout est acceptable en ce qui vous concerne. Tout est parfait. That is the meaning of Omoluabi. Et c'est ça la signification de Omoluabi. In Yoruba. En Yoruba. And I'm also happy. Je suis aussi content. That the event of today. Que l'événement de ce jour est de promouvoir notre culture. It is to promote our belief. Et de promouvoir notre croyance. And it's also to now also tell people that there is always life in Africa. Et c'est pour montrer aussi que nous avons une vie en Afrique. And I have gone around today. J'ai fait le tour ce matin. And I've seen the antifacts. Et j'ai vu l'effet contraire. And everything to show us, to demonstrate. Et tout ce qui démontre que. That life actually began around here. Que la vie a commencé ici.
We have seen natural things that we cannot see in every places. Nous avions vu des choses naturelles que nous ne pouvons voir partout. So at least it makes the place also very peculiar. C'est ça qui fait la particularité de cet endroit. And it makes it very unique. Et c'est ça qui fait l'unicité de cet endroit. The cave that we went out from there. Le cave dans lequel nous sommes rentrés. It's not what we can see in everywhere. C'est pas quelque chose que vous pouvez voir partout. Yeah, for and there anywhere it exists. Et n'importe où ça existe. It makes that place very unique. Ça rend cet endroit unique. We cannot take away that uniqueness from this place. Nous ne pouvons enlever cette unicité à cet endroit. And I know. Et je sais. That if we give it adequate publicity. Et si, que si nous donnons une publicité convenable. The whole world will support us. Tout le monde entier va nous supporter. For it to become a UNESCO center. Pour que ça devienne un centre de l'UNESCO. To become a center of reference in the whole world. Pour que ça devienne un centre de référence dans le monde entier. Because the site here is unique. Parce que ce site est unique. Based on the history. En ce qui concerne l'histoire. Based on the what we call the landscape. En ce qui concerne la nature, the geographical locations, l'espace géographique, and also based on the culture of our people, et aussi en se basant sur la culture africaine. So let me thank the Kabiyesi the Olofin. Au vu de ça, je voudrais remercier Olofin Akande, Olofin Akande, for the immense work that he has done. Pour le travail sérieux qu'il a fait ici. Everybody cannot make history. Tout le monde ne peut pas faire l'histoire. So sometimes it's not crowd that make history. C'est pas la foule qui fait l'histoire. It is not crowd that make things happen. C'est pas la foule qui rend les choses possibles. It is individual that God has put it in their mind. C'est des individus à qui Dieu a donné le don. And they now show commitment. C'est eux qui montrent l'engagement. They now show passion. C'est eux qui montrent la passion. They also show determination. C'est eux qui montrent la détermination. To transform. Pour transformer. A particular situation. Une situation particulière. And this is what we have seen in him. Et c'est ce que nous avions vu. It's not that some other people have not heard of this before. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes n'en ont pas entendu parler avant. It's not that some people are not in a position to do what he has done. Ce n'est pas que certaines personnes ne sont pas en position de faire mieux ce qu'il a fait. But because they don't have the characteristics that he has displayed. Mais ils n'ont pas la caractéristique nécessaire pour le faire. And therefore, I want us to give him an applause today. Par conséquent, je demande que vous applaudissiez pour lui. For a job well done. Pour ce travail bien fait. We wish him more strength. Nous lui souhaitons d'être fortifié. We wish him more good health. Nous lui souhaitons la bonne santé. We wish him more commitment. Nous lui souhaitons beaucoup plus d'engagement. We want God to continue to support him. Nous souhaitons à Dieu de le supporter. Even our ancestral powers will support him. Nos ancêtres aussi vont le supporter. And the people that are living will also support him. Et ceux qui sont les vivants aussi vont le supporter. So that that vision that he has. Pour que cette vision qu'il a. He has just started. Il a juste commencé. There is a long journey to go. Il lui reste beaucoup à faire. Il y a un long voyage à faire. He needs the support of every one of us. Il a besoin de l'assistance de chacun de nous. And I thank all of us that are here today. Et je remercie chacun de nous qui. This is part of the support. That is it's also part of it. C'est aussi une façon de supporter. Because if he's the only one that is here. Parce que s'il était seul. Even to receive me. Même pour me recevoir. It will have no meaning. Ça n'aura aucun sens. But because all of you are here today. Mais parce que vous êtes tous ici. You have added color to the event of today. Vous aviez ajouté de la couleur à cet événement. And so we thank you very much. Et c'est pour cela que nous vous apprécions réellement. Yes. I have said that I know that there will be a lot of challenges. Je sais qu'il y aura beaucoup de défis à relever. There will be challenge of money. Il y aura des défis monétaires, des défis de l'argent à relever. There will be challenge of training. Il y aura des défis de formation à relever. There will be challenge of artists. Il y aura des défis d'artistes à relever. Because here it's supposed to be a museum. Parce que ici il doit y avoir un musée. Ça devait être un musée. Yeah, and for us to be able to turn it to a museum. Pour en être capable de rendre ça it will require un musée, a lot de of transformer things. Ça en un musée. Ça demande beaucoup d'efforts. But they said a hundred miles journey. C'est une centaine de milles de voyage. It's not made in a particular day. We start it gradually and gradually. Ça ne peut pas se faire en un jour. Nous allons faire ça de façon progressive. At least with what I have seen here.
avec ce que j'ai vu aujourd'hui. With where we are sitting down here. Avec là où nous sommes assis aujourd'hui. Something has started. Quelque chose a commencé. And only what we need to do is to continue to build on it. Et ce que nous avons à faire, c'est de construire sur cette base là. Yes, if I had known very well. Si j'avais réellement su ça. About this event. Si j'avais réellement su cet événement. It's not an event that I will love to come alone. Ce ne serait pas un événement auquel je vais participer tout seul. In fact, I had this feeling that other participants that will be here today. Je pensais qu'il y avait d'autres participants qui seraient là aujourd'hui. Like, apart from the community people. Je pensais qu'il y avait d'autres participants en dehors de la communauté. At least I would have used my position. Si j'avais su à temps, j'aurais utilisé ma position. To invite people. Pour inviter d'autres personnes. From Cotonou. De Cotonou. From Benin Republic and also from Nigeria. De Cotonou, du Nigeria et d'un peu partout. I would have been able to convince some of my ambassadors who are my friends. J'aurais pu convaincre certains de mes ambassadeurs qui sont mes amis. Because they are my friends. Parce qu'ils sont mes amis. And I know they will follow me. Et je sais qu'ils vont me suivre si je leur avais dit ça. I have had a similar occasion like this in Lokosa. J'avais eu un événement similaire à Lokosa. Which I told them and they follow me. Et j'avais invité mes ambassadeurs qui m'ont suivi. So we are promising that by God's grace next year. Nous promettons à présent que par la grâce de Dieu l'année prochaine. We will start planning from now. Nous allons commencer par planifier à partir de maintenant. And we want them also to come and join us here. Et nous allons inviter d'autres participants à nous rejoindre ici. Many of them, if they come. Certains, la majorité d'entre eux, s'ils viennent. Because particularly the ambassadors. Particulièrement les ambassadeurs. They may not be able to give us money immediately and support. Ils ne pourront pas donner immédiatement de l'argent pour supporter. But they will see. Mais ils vont voir. They will tell their government. Et ils vont rapporter ça à leur gouvernement. And the government will come very handy. Et le gouvernement va réagir. To give us that support. Pour accorder ce support dont on a besoin. But it wouldn't be as it may today. Mais même tel que c'est aujourd'hui. When we go back, lorsque nous allons rentrer chez nous, I will first of all discuss with the African ambassadors. Je vais discuter avec les ambassadeurs africains. Because I have come, I have seen it. Parce que je suis venu et j'ai vu. And then I will also carry it over to the entire ambassadors too. Et je vais porter ça à la portée de. Je vais informer les autres ambassadeurs aussi. So you, that means that you, the people of our community here, we should not be surprised. Cela veut dire que vous ne devez pas être surpris, vous qui êtes de la communauté. If we say some ambassadors have visited here even before that time. Et si nous disons que certains ambassadeurs veulent visiter l'endroit même avant l'année prochaine. Because some of them will tell me that they also want to come and see. Parce que je suis convaincu que certains d'entre eux vont dire nous voulons aller visiter d'abord. I'm also happy that this is a project. This is a project. Je suis aussi heureux que ça soit un projet. That is not only limited to Benin Republic alone. Qui n'est pas limité seulement en République du Bénin. It is a project of collaboration. C'est un projet de collaboration. It is a project of cooperation. C'est un projet de coopération. Between many African countries. Entre plusieurs États africains. Nigeria is deeply involved in it. Le Nigeria est profondément impliqué. And some of our big people in Nigeria, like Professor Soyinka. Et certains de nos hommes influents du Nigeria, tels que Ole Soyinka. The governor of Ogun State. Le gouverneur de Ogun, de l'État de Ogun. And other people. Et d'autres personnalités. Have also visited here and they are aware of this. Ils ont visité ici et ils sont conscients de ce qui se passe ici. And that will help us. Et tout cela va nous aider. When we are going to also carry this project to all the what we call the Yoruba speaking governors quand in the southwest of Nigeria. Nous allons porter ce projet à tous ces Yoruba gouverneurs au Nigeria. They have told me. Ils m'ont dit. Because I have made contact with them. Parce que je les avais contactés. Concerning how do we reconnect with our culture? Comment reconnecter avec notre culture? And also reconnect with our people that is outside Nigeria. Comment relier avec nos peuples qui sont hors du Nigeria? Particularly the Benin Republic people. Particulièrement les gens de la République du Bénin. And they have told me. Et ils m'ont dit. They have given me a mandate. Ils m'ont donné un mandat, un délai. To prepare. Pour préparer. An agenda. Un programme. That we can put forward. Pour que nous puissions utiliser. And part of those things we want to do. Et
une partie de ce que nous voulons faire is to focus on cultural and economic development. Est de nous focaliser sur le développement culturel, cultural and economic development. Est de nous focaliser sur le développement culturel et économique of our people that are around us. Pour nos peuples qui sont autour de nous. And I know that this project is going to be a very key one. Et je suis convaincu que ce projet sera un projet clé. Because it's an issue that is linking all of us together. Parce que c'est une question qui nous lie ensemble. And many of them will show interest. Et beaucoup d'entre eux vont montrer leur intérêt à ça. Again, you will not be surprised too if governors from Nigeria said they are coming here to visit here. Alors ne soyez pas surpris si des gouverneurs décident de venir visiter ici. Because these are also part of what we are going to put before them. Parce que c'est aussi une partie de ce que nous voulons leur demander de faire. And I'm know and I know that it is not just visiting. Je sais que ce n'est pas seulement pour visiter. But they will support the project financially. Mais c'est pour supporter le projet financièrement. I was in Kobe yesterday. J'étais à Kobe hier. And the KBC of Kobe. Et le roi de Kobe. Also learned from him. Et aussi j'ai aussi appris quelque chose de lui. Historical facts that I don't know about. Les faits historiques que je ne connais pas. That there is one man in Nigeria, in Yoruba land. Somebody in Yoruba land. Quelqu'un sur la terre Yoruba. Was a very powerful man. Il est un homme très influent. I don't know him. Je ne le connais pas. But I heard from history. Mais j'ai eu l'information par l'histoire. And all the Yoruba people, they reverend him. Et tous les Yoruba lui accordent gloire. They call him Oromiyan. Il l'appelle Oromiyan. Was a very powerful king. Parce qu'il est un homme très influent et très puissant. And he has a lot of influence. Et il a de bonnes influences là-bas. His influence cut across outside Nigeria. Il est influent au-delà du Nigeria. And I was told yesterday. Et j'ai été informé hier. That the final place of the man. Que la dernière demeure du monsieur. Was in Kobe. Était Kobe. And we also from there too. Et de là, that we also believe that should also be another tourist center in our province here. Et de là, j'ai compris que c'est aussi un centre touristique ici. So that means I had a lot of stories to tell my people at home. Cela veut dire que j'ai beaucoup d'histoires à raconter à mes gens au pays. Because that is part of the reason why they sent me to Benin Republic. Et c'est une des raisons pour lesquelles on m'a envoyé au Bénin. Is to find out more things about here. C'est pour chercher plus de choses. That can always bring all our people together. Qui vont relier nos peuples ensemble. And so let me again thank the KBC. Une fois encore, je remercie Sa Majesté le Roi. The Olof.